quartier. Okati, mon mari. Ah, viens. Viens, sors, sors. On y va. Tu as fait de ton mieux. Tu es ici depuis hier. Depuis la nuit dernière. Oui. Viens, sors. Sors, on rentre à la maison. C'est mon tour maintenant. Obidiah. Pourquoi est-ce que tu cries dans ma cour? Pourquoi est-ce que tu cherches les morts parmi les vivants? Qu'est-ce qu'il y a? Ou du moins, pas de problème. Je ne crie pas. Pourquoi? Je ne suis pas fâchée. Je sais que mon mari est ici. Oui. Il est parti depuis la nuit dernière. Et il n'y a pas un autre endroit où je sais qu'il irait. À part ici. Il est là-dedans. Tout ce que je veux, c'est que tu fasses sortir mon mari, que je le ramène. Tu as bien profité. Depuis la nuit dernière, tu sais que chacune a son tour. Dès qu'épouse. Oui, tu as eu ton tour. Maintenant, c'est le mien. Maintenant, laisse-moi aller coucher avec mon mari. Laisse-moi profiter de mon mari. Appelle-le pour que je le ramène à la maison et que j'aille profiter de lui aussi. Oui. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Obidiah. Si tu sais comment tu es entrée dans cette cour, rentre gentiment chez toi. Je t'en supplie. Tu es connue pour une personne problématique dans ce village, mais je ne suis pas ton genre. S'il te plaît, va-t'en de ma cour. Tu es très stupide. Oui, tu es folle. Ferme ta sale gueule. Regarde-toi. Tu parles comme une bonne personne. Tu portes toujours ce visage innocent. Quand les gens te voient, ils diront que cette femme est gentille. Tu es stupide, tu ne peux pas me tromper. Si tu penses que tu peux tromper tout le village, tu ne peux pas me tromper. Maintenant, écoutez, écoute très bien. Va amener mon mari pour que je rentre avec lui. Où est-ce que tu veux le tuer? Tu oses demander, hein? À qui le demandes-tu, hein? Tu veux le tuer de la façon dont tu as tué ton mari? Jamais. Jamais de la vie. Ça n'arrivera jamais. Tu ne peux pas tuer le mien. Tu ne peux pas tuer le mien de la façon dont tu as tué le tien. Alors va amener mon mari pour que je le ramène à la maison. Tu sais la raison pour laquelle je suis tranquille? C'est parce que je ne t'ai pas pris la main dans le sac. Oui, je ne t'ai jamais pris la main dans le sac. Le jour où je te prendrai la main dans le sac dans ce village, tu vois, tout le village se réunira pour nous. Parce que ce que je vais te faire, tu vivras pour le regretter. Oui, stupide femme. Idiote, va amener mon mari que je l'amène hors de cet endroit. Stupide chose. De toute façon, je m'en vais. Je vais partir. Mais laisse-moi te rappeler. Une fois que je serai à la maison et je ne vois pas mon mari, tu n'aimeras pas mon retour parce que ce sera feu pour feu. Stupide chose. Tu fais semblant d'être gentille. Tueuse! Tueuse de mari, regarde-toi. Tout ce que tu fais, c'est tuer. La mort pue autour de toi. Dépêche-toi. Va garer, hein. J'ai un truc à faire ici. D'accord? Oui. Je ne veux pas entendre d'histoire, hein. Oh non. Voilà. Que tout le monde paye. Mais mec, tout le monde doit payer. Bien sûr. Je t'en supplie, mec. Je ne veux pas d'histoire. Amy? Amy? Oh, ma... Regarde-toi. Comment tu vas? Je vais bien. Tu es sûr? Oui, je vais bien. Comment va maman? Amy, la maladie s'empire de jour en jour. Ah, t'es sérieuse? Mais où est maman maintenant? Ah, elle est à la maison. Ah, mais elle n'a pas pu dormir la nuit dernière. Alors je suis allée à la boutique d'Onyeka pour le supplier. Mais il m'a donné une dose à crédit. Mais, au moins... Si je peux te demander, hein? Qu'est-ce qui ne va pas exactement avec maman? Amy, je ne sais pas. On y
Mika m'a conseillé de l'emmener à l'hôpital pour faire des tests. D'accord, je vois. Mais on n'a pas d'argent pour ça. Je n'en ai pas aussi assez sur moi, mais... Je sais. De toutes les façons, ils doivent payer. Hein? Ça va aller. Non, non, ne t'en fais pas. Omar. Tu en as besoin bien plus que moi. Omar, peux-tu arrêter ça? Prends cet argent, ok? Non. Omar, je suis l'homme, tu es la femme. C'est mon devoir de te fournir, ok? Arrête ça, s'il te plaît. Ok. Prends ceci et ajoute ça à ce que tu as. Et prends soin de maman, ok? Merci. Je dois retourner à l'agence. Tu sais, la journée n'est pas encore terminée pour nous. Ok, mais Amy, assure-toi de ne pas bagarrer aujourd'hui. Je D'accord, suis sérieuse. Ne bagarre pas. Moi, sexy, Omar. Ne bagarre pas. S'il ne me paie pas, bah on va bagarrer. Non. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman? Maman, du sang! Maman, tiens, bon, je reviens. Je reviens. Nay, tu dors? Allons à l'intérieur, il se fait tard. Allons dormir à l'intérieur. Je vais rester encore un peu ici dehors. Yeah. Mon mari, tu es ici depuis longtemps. Allons dedans. Je sais que tu es fatigué. C'est pourquoi tu parles comme ça. Ah, allons ouais. dedans, ok? Ce n'est pas ça. Allons, allons. Papa! Allons. Papa! Hey, Anya! Papa. Hey, Omar! Qu'est-ce qu'il y a? Qui est-ce qui te poursuit, hein? Papa, personne. Personne. Et tu cries de la sorte à cette heure de la C'est nuit. C'est bon. C'est quoi le problème? La maladie de maman s'empire. Hey! Qu'est-ce qui lui arrive cette fois-ci? Elle toussait du sang. Papa, nous devons l'emmener à l'hôpital. Elle, ce n'est pas ta mère. Tu ne vas pas l'amener à l'hôpital. Qu'est-ce que tu attends tout le temps, papa? Obidia, non, mais c'est quoi ton problème? Ne t'inquiète pas, attends que je me change rapidement. D'accord, et ensuite, ensuite je m'emmène la voir. Ouais, ma femme. Alors, comme ça, c'est arrivé à ce stade. Hey, ça va aller, ok? Ça va aller. Maman, tiens bon. Tu vas aller bien, d'accord? Désolé. Je me sens ça tellement va mal. Docteur, s'il vous plaît. Je vous en prie, qu'est-ce qui ne va pas exactement chez elle? Docteur, est-ce que ma mère va survivre à cette maladie? Bien sûr. Dans la mesure où vous coopérez avec nous. Docteur, quelle que soit la coopération que vous nous demandez, nous allons le faire. Nous allons coopérer. Et ceci tant qu'elle se sentira mieux.
Je vous en prie. En fait, elle souffre d'une infection névralgique. Oh, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez par là dire, docteur? C'est une maladie reliée au cœur. Dans ce cas, commencez le traitement immédiatement. Nous voulons qu'elle récupère rapidement. S'il vous plaît, commencez. Vous allez effectuer un dépôt d'un million de naira afin que nous puissions inviter le spécialiste. Quoi? Un quoi? Hey, un million de naira. Docteur, où est-ce qu'on pourra trouver cette somme d'argent? C'est vrai, docteur. Ce montant est énorme pour nous. Comment allons-nous nous procurer une telle somme dans ce village? Il n'y a pas un autre moyen, monsieur. S'il y en avait, je vous l'aurais dit. Je dois voir d'autres patients. Excusez-moi. Docteur. Porte-toi bien sur ce lit et ne t'en fais pas. Ne t'en fais surtout pas. Ne pense pas encore à l'argent. Tu ne vas pas trouver cet argent sur ce lit. Oma, mon bébé. Ma sexy Oma. Comment vas-tu? Amy, je ne vais pas bien. En ce moment même où nous parlons, maman est couchée à l'hôpital. Quoi? À l'hôpital. Oh! Est-ce que tu sais que je suis venu ici hier? Je t'ai rappelé. Je ne te trouvais nulle part. Maman aussi. Elle n'était nulle part. Oui. Ça s'est empiré la nuit dernière. Et on l'a emmenée à l'hôpital. Ah! Ah! Et qu'est-ce que le médecin a dit concernant maman? Maman souffre d'une maladie du cœur. Ouf! Amy, écoute. Le docteur a dit qu'on devait déposer la somme d'un million de naira. Quoi? Avant qu'on ne puisse faire quoi que ce soit pour maman. Un million? De naira. Amy, regarde-moi. Hey. Où est-ce que je vais pouvoir trouver cette somme d'argent? Hey! Mais, est-ce que tu repars à l'hôpital? Oui, je suis rentrée pour lui faire à manger. Oma, mon cœur. Ma sexy Oma. Je veux que tu saches que peu importe ce que maman et toi, ce que vous traversez en ce moment, je serai toujours là avec vous. Ok, merci beaucoup, Amy. Ok. J'apprécie. C'est bon, viens là. Viens là. Comme tu es en train de repartir à l'hôpital, je vais t'attendre ici, hein? Ok, attends-moi, c'est je reviens. Compris. D'accord. Je t'attends ici. Emeka, bonsoir. Comment tu vas, Ibéré? Je vais bien, merci. Oma, comment tu vas? Je vais bien, Ibi. Pour être franche avec toi, ce n'est pas du tout facile. Je comprends. Je suis désolée pour ça. Je sais comment tu te sens. Est-ce que vous retournez à l'hôpital? Oui. Je suis rentrée à la maison pour lui faire ce repas. Est-ce que je peux venir avec vous? Non. Comme tu peux le voir, Emeka y va déjà avec moi. Oui. Peut-être une autre fois. D'accord. Ok. Pas de problème. Les amoureux. Oui. Ok. Oui. Au revoir. Ok. Bye-bye. Bye. Laisse ce plat tranquille. Lâche ce plat. Tu vois que tu l'as laissé tomber. C'est bien fait pour toi. Maman, maintenant tu es contente. C'est tu es bien contente fait maintenant. Pour toi. Quoi? Quoi? Que se passe-t-il ici? Maman, parle à Ekeneo. Ekene a oublié que je suis sa grande sœur. Ekene, qu'est-ce qu'il y a? Maman, je n'ai absolument rien fait. Je n'ai rien fait, je te dis. Ce n'est pas la nourriture que tu viens juste de nous servir. Obi a mangé toute la viande et le poisson que tu as mis dans cette nourriture. J'ai voulu manger le riz, mais elle a commencé les disputes et elle a jeté la nourriture par terre. Tu as vu? Hey! 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 Ma... Vous! Vous êtes ici à vous battre pour un plat de nourriture. Vous jetez ma nourriture par terre. Pendant que la femme de mon frère est sur le point de mourir à l'hôpital, hein? Regardez-moi leur nez comme le nez de leur mère. Imaginez juste. Non, et qu'est-ce qu'il y a?
Que veux-tu dire par leur nez comme celui de leur mère? Es-tu en train de dire que mes enfants doivent mourir de faim parce que la femme de ton frère est à l'hôpital? Je me demande bien. Tu vas te taire! N'importe quoi. Va me servir ma nourriture. C'est quoi ton problème? Viens me servir ma nourriture et vous êtes là à rire comme des malades. C'est quoi ton problème? On ne t'a pas donné à manger à l'hôpital? Ah ah, maman! As-tu déjà vu des gens distribuer de la nourriture à l'hôpital? Es-tu stupide? Vas-tu fermer cette chose que tu appelles bouche, idiote? Agnara. Hein? Oui, bébé, Nchi. Nya. Ngwa, ifu nya. Onya tiki, taga, diki. Ngwa, kam, gekton, tam. Maga. Obane. Toto, bia, noa, gigeri. Douan, kabari. Kinka, niche. Nai. Nai. Obidia. Ah. Oganedea. Pourquoi est-ce que tu cries? Nai. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu comme ça? Depuis que tu es rentrée de l'hôpital, tu fais la tête. Qu'est-ce qui ne va pas? La maladie du Djungwa me donne des nuits blanches. La maladie de Djumwa. De quoi souffre-t-elle? Le docteur a dit qu'elle souffrait d'une maladie du cœur et que nous devons rapidement faire le dépôt d'un million de naira pour qu'elle commence le traitement. Un million? Un million de naira? Oui, un million. Où vas-tu trouver une telle somme d'argent? Oma et sa mère, réunies, ne peuvent pas réunir cette somme. Hein? Est-ce pour ça que tu es dérangée? Est-ce pour ça que tu es dérangée? Après tout, elle n'est pas ta femme. Oui. Obidia. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas juste chez toi? Hein? Naï. Que ce ne soit pas ce à quoi je pense. Oh. À quoi est-ce que tu penses? Naï. À quoi est-ce que tu penses? Naï, je commence à te suspecter. Hein? Je commence à te suspecter à voir tes yeux faire comme ça. Vas-y, raconte ce que tu veux. C'est quoi ta liaison avec cette femme? Va-t'en d'ici. Je dis va-t'en! Obidia, va! Va-t'en d'ici. Je vais m'en aller. Mais tu vois tes yeux. Je vais continuer de te surveiller. Oui, je vais te surveiller. Hey, Naï. J'utilise le coin de mon œil pour te surveiller. Pas de problème, je m'en vais. Allez, fous le camp ici. Je m'en vais, pas de souci. Ton frère n'est pas encore rentré? Oui, maman. Maman, mais la nourriture va se refroidir. Je te parle de ton frère. Et toi, tu me parles de la nourriture qui est en train de refroidir. Qu'elle ne refroidisse pas seulement, qu'elle devienne glacée. Maman, donne-moi ma part de nourriture. J'ai faim. Tu ne vas pas manger cette nourriture jusqu'à ce que ton frère rentre. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Mon fils, tu es de retour? Bonsoir. Oui, maman. D'où est-ce que tu sors? Je suis vraiment désolé de t'avoir inquiété, hein? J'étais à l'hôpital toute cette journée. Tu sors de l'hôpital? Oui, maman. Qui est hospitalisé? C'est la mère d'Oma. On l'a amenée à l'hôpital. Aïe! Pauvre femme! De quoi souffre-t-elle? Oui, elle souffre d'une maladie du cœur. Quoi? Une maladie du cœur? C'est vraiment très compliqué. Effectivement. Et le médecin a dit qu'on doit déposer une somme de 1 million de naira avant qu'on ne puisse commencer l'opération. Hé hé!
millions de Naira. Et où est-ce que tu vas trouver une telle somme d'argent? Maman, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, maman. Aïe! Hey! Tu sais, ça me dépasse, maman. C'est trop d'argent. On t'attendait, mon fils. Viens laver tes mains aux manches. Je n'ai pas faim, maman. Je vais aller à l'intérieur me reposer. C'est bon, maman. Je n'ai pas faim. Oh. Maman, tu vois alors? Je t'ai dit mangeons. Tu as dit qu'on attende. Veux quoi? Ferme ta bouche. Nourriture, nourriture. Vas-y, mange. C'est ce que je veux faire. Naï. Organi. Hey. Hey. Qu'est-ce qu'il y a cette fois-ci? Est-ce que tu sors? Ne vois-tu pas que je suis en train de sortir et tu me poses la question? Non, mais t'es aveugle. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me perds pas le temps. Naï, ce n'est pas arrivé à ce stade. Où est-ce que tu vas? Comme tu as refusé de rendre visite à Ojunwa, à l'hôpital, ne me perds pas le temps. Je vais la voir. Chelo Keneno, qu'est-ce qu'il y a, non? Non, mais tu me perds le temps. Je n'ai pas dit de ne pas aller à l'hôpital. Oui, tu sais qu'à l'hôpital, là-bas, ils ont des lits. Tu peux même dormir là-bas quand tu arrives. Mais tout ce que je demande, c'est l'argent pour la cuisine de ce matin. La nourriture de ce matin. Papa, c'est vrai, il n'y a pas de nourriture dans la maison. Donne-lui l'argent pour la cuisine. Regarde-toi, Ekene. Un faut rien. Non, mais tu n'as pas honte de toi-même. Tes égaux sont là-bas, en ville. Ce battant est ramenant l'argent à la maison pour leurs parents. Et tu es là à me demander de l'argent, avec le soutien de ta mère. Tu me demandes de l'argent. Hey, viens le chercher, non? Hey, Naï, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi insultes-tu mon enfant pour l'argent de la cuisine? On n'en est pas arrivé là, non? Donne-moi l'argent de la cuisine et pars, n'insulte pas mon enfant pour ça. Ne va pas là-bas. Hey, je n'ai pas d'argent. Hein? En fait, je n'ai pas d'argent à te donner. Maman, c'est un mensonge. Maman, il a de l'argent. J'ai vu papa compter de l'argent ce matin, une grosse somme d'argent. Et tu dis que tu n'as rien. Donne-lui de l'argent pour la cuisine. Ah. En quoi ça te concerne l'argent que je compte? Est-ce qu'il t'appartient? En quoi ça te concerne? Espèce d'idiot. Regardez, voilà l'argent. Il y en a beaucoup. Je ne vais même pas vous donner un sou. J'amène cet argent à l'hôpital. Pour payer le médecin, pour les tout premiers petits soins qu'il a donnés à Ojunwa. Donc... Naï, non. Fais gaffe. Naï, tu le feras. Tu vas me donner cet argent, tu vas... Naï, tu le feras. Tu vas me donner. L'argent pour la cuisine est très important. Papa, tu vas nous donner de tu l'argent. Tu vas fermer. Tu vas nous donner cet argent. Mba, Bigonuo, je vais te maudire. Ça ne marchera pas. Je vais te maudire. Si tu me maudis, ça ne marchera pas. Si je te maudis, pas. Tu vas souffrir toute ta vie. C'est un mensonge, je ne vais pas Donne souffrir. Donne-nous l'argent, non. Je ne vais pas si souffrir. Tu veux le prendre de force. Donne-nous l'argent, ne me laisse pas te pousser. Donne-nous l'argent. Oh, tu veux me pousser. Maintenant, on va me dire de venir payer. Si tu veux me payer pousser. Ça. Apporte la chèvre. Je n'ai pas l'argent de la chèvre. Donne-moi l'argent. Ce ne sera même pas une chèvre. Ce sera un bœuf. Ah bien. Cette chose est un bœuf. Ou Maoya. Si tu essayes. Et si tu doutes, tu vas voir. Naï, donne-moi l'argent. Papa, donne-lui de l'argent. Arrête de faire ça. Naï. Maman, il est en train de partir. Il s'en va. Et alors? Tu vas m'arrêter? Mais papa, donne-lui de l'argent. Donne-lui tu de l'argent. Tu vas fermer ta gueule. Je vais te maudire. Hey! Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si je te maudis, tu vas souffrir. Ça ne marchera pas. Je ne vais pas souffrir. Ça donne-lui de l'argent pas. Pour la viens cuisine. Le chercher. Là, viens le chercher. Viens le chercher de force. Mais. Viens maman, le chercher est-ce que de tu force. Vois ça? Quand je vais parler, on va dire que je parle beaucoup. Tu vois ça? Il n'y a pas de problème. Viens le chercher de force. Quand je vais commencer, vous allez dire que je bavarde. Il est en train de partir. Méchant homme, tu t'en vas, hein? Tu pars. Non, tu vas revenir dans cette maison manger Ojunwa. Tu vas venir manger Ojunwa. Comme Ojunwa est plus importante pour toi que nous. Regarde-toi, méchant homme, hein? Sans cœur. Hé, hey, quel est ce genre d'homme? Hein? Il s'occupe plus d'une famille que la sienne même. Ojunwa. Ojunwa.
bout du mois, tu me cherches des ennuis. Après, on dira qu'Obidia a commencé. Qu'Obidia a commencé. Espèce de vauria. Hey! Qu'il parte, il va revenir me trouver là. Mange ta nourriture. Comme ça, tu auras de la force. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas du tout l'appétit. Lala, je sais que tu n'as pas l'appétit, mais mange un peu pour pouvoir prendre tes médicaments, s'il te plaît. Merci, mes enfants. Merci beaucoup. Mais, comme je l'ai dit, je n'ai pas faim. Quand j'aurai l'appétit, je vais manger. Ok. Donne-moi le couvercle. Infirmière. S'il te plaît, Omar. Le docteur veut te voir. Ok. Attendez-moi. Je vais aller avec vous. D'accord. Maman, je reviens. Bébé, s'il te plaît, attends, hé! Bébé! Bébé, attends, hé! Mon âme sœur, bébé, mais attends... Onda, c'est quoi ton problème? Bébé, tu sais que je t'aime beaucoup. Pourquoi est-ce que tu m'appelles bébé? Mon bébé. Je ne peux pas être ta copine. Non. Tu n'es pas mon genre. Oh, mais arrête de dire ça, bébé. C'est à cause de toi qu'on me maltraite tout le temps. Bébé! Mais s'il te plaît, attends. Bébé, mon amour. Bébé. Mais qu'est-ce que tu faisais avec Ponta? Je ne faisais rien avec lui. Il n'a pas arrêté de me suivre en m'appelant bébé. Tu es sûre de ça? Oui. Tu me dis la vérité? Viens par là. Tu m'as manqué. Toi aussi. Comment tu vas? Et en fait, tu ne m'as pas dit ce que tu as mangé. Je n'ai rien mangé. Tu es sûre, bébé? Tu deviens belle chaque jour. C'est toi. Tu peux le dire une fois de plus. Allez, on y va, ok? Ok. Il faut penser à faire ce que je t'ai demandé de faire. Oui, docteur. N'oublie pas. D'accord, monsieur. S'il te plaît. Hey, docteur, je venais dans votre bureau. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Je voulais vous remercier pour avoir traité ma belle-sœur sans que je ne vous ai donné de l'argent. J'en suis reconnaissant. Je suis venu faire un dépôt d'une petite somme d'argent, 30 000 naira, et de vous dire encore merci une fois de plus. Au moins, vous montrez ma gratitude pour tout ce que vous faites pour moi. C'est très bien l'effort que vous faites. Le plus important ici, c'est la chirurgie. Elle a vraiment besoin d'une chirurgie. D'accord. Car elle pourra finir par perdre sa vie. Non, ou du moins ne va pas mourir. Elle ne mourra pas. Je ferais mieux d'aller plus tôt et de chercher encore plus. Je vous en conjure. Vous devez agir très rapidement. Merci. Il faut remettre l'argent à l'infirmière qui est au niveau de la caisse. D'accord. D'accord. Je le ferai. Merci, monsieur. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Je vous en prie. Papa. Papa, pourquoi est-ce que tu restes silencieux avec nous? Maman est à l'hôpital en train de souffrir. Et toi, tu es ici couché confortablement. Papa, pourquoi? Et tu ne te soucies même pas de comment est-ce qu'on se sent. Tu ne te soucies pas de nous. Maman est en train de souffrir. Ta femme est en train de souffrir. Papa, pourquoi? Ah!
Ça suffit, Oma. Ressaisis-toi, ok? Ça va aller. Ressaisis-toi, d'accord? Tout ira bien. Tu as compris? Quand Amy... Maman est en train de souffrir à l'hôpital. Et papa ne peut rien faire par rapport à cela. Amy, laisse-moi te demander. Est-ce que maman mérite cette maladie? Ma mère est en train de souffrir. Elle souffre. Mon cœur, je n'ai peut-être pas toutes les réponses à tes questions. Mais une chose que je sais, c'est que tout ira bien. Amy, est-ce que tu es sûre qu'ils aimeraient acheter ce terrain? Ma sexy Oma, mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'ils aimeraient acheter le terrain. Pour l'amour de Dieu, ce terrain dont nous parlons là, hein, il est bien situé. Les gens vont se bousculer pour acheter ce terrain, ok? Regarde, l'argent que nous allons avoir après avoir vendu ce terrain nous aidera beaucoup à prendre soin des factures de l'hôpital de maman. Mais tu connais notre tradition. Les femmes ne vendent pas de terrain. Oui, tu n'es pas loin de la vérité. En fait, voici l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je suis amoureux de toi. Hein? Tu connais la tradition. Mais dans ce cas, c'est différent. Ok. Je vais devoir aller en parler avec mon oncle. Maintenant? Oui, maintenant. D'accord donc. Je vais t'accompagner, hein? Allons-y ensemble. Oma, ma fille, je ne sais pas pourquoi tu es si pressée de vendre cette parcelle de terrain, sachant très bien que c'est la seule propriété que ton père a laissée pour toi. Le seul héritage, tu ne dois pas surtout le jeter. Je sais bien que nos coutumes et traditions n'ont jamais permis aux femmes d'avoir beaucoup d'autorité sur les propriétés. Mais j'ai vu des femmes mariées et à partir de la maison de leur mari, elles reviennent pour bâtir la maison de leur père, la concession de leur père, parce qu'elles veulent développer cet endroit. Demain, tu seras certainement béni par Dieu. Tu devras revenir dans cette concession pour la construire avec des buts de développement. Ne vendons pas ce terrain. Essayons de chercher un autre moyen où nous pourrons avoir de l'argent pour pouvoir payer l'opération de ta mère. Mais quel autre moyen, papa? S'il te plaît, vendons ce terrain et réunissons l'argent pour le traitement de maman. Je ne voudrais pas que ma mère meure. Ta mère ne va pas mourir. Qui t'a dit qu'elle allait mourir? Elle ne va pas mourir. S'il te plaît, papa, je t'en supplie. Je ne voudrais pas qu'elle meure. Peut-être que je pourrais acheter un autre terrain. Si Dieu me bénit. S'il te plaît. Si c'est la seule option à laquelle tu as pensé, alors je vais chercher des personnes qui viendront acheter le terrain. Mais je voudrais que tu comprennes que le terrain ne sera pas productif pour pouvoir couvrir toutes les dépenses. Nous sommes en train d'anticiper. D'accord, papa. N'importe comment. N'importe quel montant. Pas de problème. J'irai chercher des acheteurs. D'accord. Okay? Merci. Je dois y aller. Ok, bye d'accord. Bye-bye. Tu vois? Tu vois ces piliers particuliers? Ok. Je veux des carreaux dessus. Carreaux? Ouais. Il n'y a pas de souci. Et ce coin? Oui. Ce coin particulier. N'est-ce pas, Kelvin? Hein? Attends. Amy, casse. C'est sérieux? Kelvin! Amy! T'es encore dans ce village? Je suis là, mon frère. Je n'ai pas bougé d'un pouce. Je n'ai pas bougé d'un pouce. Ils doivent payer, c'est nous qui sommes en charge. Mais qu'est-ce que tu fais ici? En train de pointer la maison de quelqu'un? C'est ma maison, ce n'est pas celle de quelqu'un, c'est la mienne. C'est incroyable. Je te l'avais dit. Donc c'était toi qui construisais ce château?
et personne ne l'a su. Je vis ma vie de façon discrète. Tu connais ma façon. Tu veux que je commence à crier sur tous les toits ou quoi? Tu sais quoi, l'ingénieur? Monsieur? J'imagine que je vais devoir te parler au téléphone. D'accord, monsieur. Souviens-toi de tout ce que je t'ai dit. Pas de souci, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Waouh! Mais attends. Emeka! Mon pote! Je ne sais pas si t'es occupé ou autre chose. Je cherchais un endroit où aller manger. Peut-être qu'on devrait aller boire un verre. Calvin, occupé? Je ne suis pas occupé. Calvin, regarde-moi, je suis libre! Très libre! Ok, mon frère, on y va. C'est aussi ta voiture? Ne me fais pas rire. C'est l'une de mes voitures. Motoman! Mec, s'il te plaît, va-t'en avec ta pauvreté, hein? Hey! Mais Calvin, aide ton frère. Aide ton frère. Je ne sers à rien dans ce village. Calvin, regarde-moi. Montre-moi la voie. Et je te serai à jamais loyal, Calvin. Emeka, t'es pas obligé de te casser la tête pour ça. Tu sais, venant du fait que nous avons le même âge, nous venons du même village. Je dois faire quelque chose. Je dois m'occuper de ce village. C'est une promesse. Au moins, voilà ce que je dois faire pour un frère. C'est une promesse? C'est une promesse, mon frère. Hey. Je suis sincère par rapport à ça. Calvin, merci. C'est bon, mec. Calvin, merci. Non, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Et puis, bon, merci beaucoup. Ce n'est pas un problème. Merci. Merci, Calvin. Ce n'est pas un problème, mon frère. Je te remercie. Merci. Maman! Maman! Il y a un endroit. Maman! Il dit qu'elle va. Maman, viens! Maman, viens! Viens, maman! Oh oui, le Seigneur l'a fait pour moi! Oui, le Seigneur l'a fait pour moi, maman! Oui, maman! Pourquoi t'es autant excité? Maman! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi crie-tu? C'est parce que Dieu, maman, a entendu ma prière! Oh oui, maman! Dieu a entendu mes prières, maman! Maman, danse! Oui! Danser! Maman, danse comme tu veux! Danse! Oui, tu es grand! Ok. Maman? Tu te souviens de mon ami d'enfance, Calvin? Le fils de Mazio. Le fils de Mazio Keke. Maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai tamponné aujourd'hui. Maman, le fils de Mazio Keke, Calvin. Maman, il s'en sort très bien en ville. Il s'est construit une très belle maison. Et il possède plusieurs voitures. Est-ce que tu es sérieux? Mais oui, maman. Et ce n'est pas tout. Maintenant... L'histoire de l'histoire est qu'il a promis de m'amener en ville, maman. Wow! Grand frère, je suis très contente. Tu peux le redire. Oh merde. Dieu l'a béni. Oui. Pour moi. Maman, écoute, maman, j'ai hâte d'annoncer cette nouvelle à mon amour Oma, ma sexy Oma. Oui, oui, maman. Tu iras. Mais... Souviens-toi de revenir à temps. Pas de souci. Y a pas de problème. Hé, hey, maman. Ton grand frère va aller en ville. L'Éternel l'a fait pour nous, ma fille. Non, mais attends, maman. C'est quoi ça? Non, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Ferme ta bouche. La ferme. Qu'est-ce que tu regardes? C'est à toi que je parle. Tu regardes à gauche et à droite. Oui, c'est à toi que je suis en train de parler. Espèce de diable. Tu crois que je ne sais pas? Tu crois que je ne sais pas que c'est toi, Emeka, qui convainc Oma de vendre le terrain de son père? Je le sais, maintenant écoute. Écoute, écoute-moi, laisse-moi te dire. Tu vois cette parcelle de terrain? Ça appartient à mon fils Ekene. Oui, il n'y a rien que toi ni personne dans ce village ne puisse faire par rapport. Idiot. Stupide garçon. Maman. Tout le monde dans ce village, tout le monde sait que le terrain appartient à Oma et à sa mère. Idiot, ferme-la! C'est à moi que tu demandes. Qui ne sait pas? Quelque chose ne va pas chez toi. Maintenant, écoute. Je t'avertis. Reste loin de ce qui ne te regarde pas. Arrête de la convaincre de vendre cette parcelle de terrain. C'est moi qui suis en train de parler. Obidia. Tu sais, non? Tu sais ce qu'Odibia peut faire? Tu sais ce que je suis capable de faire? Je te préviens. Je te préviens. Occupe-toi de tes affaires. Éloigne-toi. Idiot. Dégage de mon chemin. Stupide garçon.
Omar, ma fille. Maman? Je suis fatiguée de rester ici. Je veux que tu m'emmènes à la maison. Maman, ne t'en fais pas. Je vais te ramener à la maison. Mais tu vas devoir d'abord récupérer. Comment allons-nous avoir 1 million de naira pour que le spécialiste fasse ce qu'il veut faire? Maman, tonton a promis qu'il allait vendre notre terrain. Est-ce que tu as dit vendre le terrain? Oui, maman. Pourquoi est-ce que tu veux vendre la seule parcelle de terrain que ton père nous a laissée avant qu'il ne meure? Maman, on devrait parler de ton rétablissement et non de terrain. Aïe! Oh, Mao! Allô, Amy? Maman se porte mieux. Ok. Oui, j'arrive. D'accord. Bye. Maman, je dois y aller maintenant. Je dois aller te faire à manger et t'apporter certains vêtements. Ok? Mais il pleut. Tu veux y aller sous la pluie? Maman, j'ai un parapluie. Ebere. Ebere va te tenir compagnie. Pas vrai, Ebere? Oui, pas de problème. Je suis là. Ok. Maman, je vais partir et revenir, d'accord? Allez. Je reviens. Maman, désolée, ok? S'il te plaît. S'il te plaît, viens. Il y a quelque chose que je dois te dire. Qu'est-ce qu'il y a, Amy? En fait, je vais voyager pour la ville. Pour la ville? Oui, Oma. Pourquoi? Oma, attends. Je dois y aller pour me battre. Je dois y aller pour me battre comme tous les autres jeunes hommes là-dehors. Chérie, s'il te plaît, je ne veux plus rester dans ce village et me paître. Chérie, je dois y aller pour me battre. Comme ça, je pourrai gagner de l'argent et prendre soin de toi et de maman. Pas maintenant, Amy. Pas maintenant que j'ai le plus besoin de toi. Tu sais, je n'ai personne d'autre à qui je pourrais parler. Amy, s'il te plaît, ne me laisse pas. Oma. Bien que j'ai toute l'envie du monde de rester avec toi, je dois faire ce que je dois faire. Je dois travailler. S'il te plaît. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Bonjour. Ah, bonjour à toi, ma fille. Je t'ai demandé de m'attendre ici parce que je ne voudrais pas que Kenne et Obidia sachent ce que nous sommes en train de faire. D'accord, papa. C'est à propos du terrain que tu m'as demandé de vendre. J'ai vendu le terrain. Mais le montant de la vente n'est pas du tout rassurant. Ça ne peut pas du tout résoudre notre problème. Papa, n'importe quel montant pourra nous aider. Combien est-ce que c'est? C'est 300 000. 300 000? Oui. Pour ce grand terrain? C'est bien ça, c'est ce que je t'ai dit, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas d'accord, je vais rapidement remettre l'argent au propriétaire. La personne qui a acheté le terrain, et nous gardons notre terrain. Non, papa. Donne-moi l'argent. Au moins, ça pourra acheter les médicaments de ma mère. Je vais aller le donner au docteur. Ok. Merci, d'accord. Papa. Je dois y aller. D'accord, ma fille. Ok, bye-bye. Okay. Salut ta mère de ma part. D'accord, je ferai.
Eh bien, Emeka, je venais te dire qu'on va partir à la première heure demain matin. Alors prépare tes affaires. Aussi vite? Pourquoi tu demandes ça? Tu ne veux plus voyager? Oh, tu n'es plus non. du tout intéressé? Mais loin de là. C'est juste que je dois rendre visite à certaines personnes, leur dire que je suis en train de voyager et tout ça. Ok, je crois que je te comprends. Alors quoi que tu sois en train de faire, assure-toi de le faire cette nuit. Première heure demain matin, nous partons. Ok? D'accord. Alors sois prêt. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Ferme-la. Remonte. Écoute, nous ne sommes pas ici pour te tuer. Mais si tu refuses de coopérer avec nous, alors nous allons te tuer. Et après, nous allons prendre ce qui nous appartient et on s'en ira. C'est compris? D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Bonne fille. Maintenant, où est l'argent? De quel argent est-ce que vous parlez? Il n'y a pas d'argent dans cette maison. Aïe! Aïe! Écoute, attends. Tu penses que nous blaguons? Tu penses que nous blaguons? Où sont les 300 000 que ton oncle t'a donné de garder? C'est le seul argent que j'ai. Et c'est pour les médicaments de ma mère. Non, debout. Lève-toi. Idiote. Regardez là. L'argent qu'on t'a donné pour tes médicaments. Gentille fille. Ouais. Voleuse. Regardez-la. On y va. De toi-même. Prends bien soin de toi-même et s'il te plaît, reste loin des ennuis. Surtout les problèmes de la femme de ton oncle. Cette femme est maléfique. Tu as compris? Ok, je le ferai. Tu vas tellement me manquer, Amy. Tu veux aussi me manquer, ma sexy Oma. Oma, mon cœur. Et voilà que je vais encore rester toute Qui seule. Qui le dit? Arrête de dire des choses pareilles. Maman et Nonien viendront toujours te rendre visite. Je veux aussi t'appeler étant en ville. D'accord? Ok. Non, je ne pense pas que je devrais lui dire ce qui s'est passé la nuit dernière.
Il pourrait ne plus avoir envie de partir. J'aimerais vraiment qu'il se rende en ville pour poursuivre ses rêves. Oma, est-ce que tout va bien? Oui, je vais bien. Oui, cela me revient. Prends cet argent. Non, Amy. Tu en as bien plus besoin que moi. Comment peux-tu arrêter? Non. J'insiste. Tu en as besoin. Non. J'insiste. Ok, je vais envoyer plus étant en ville. Ok. D'accord? Merci beaucoup. Tu vas me manquer. Toi aussi. Je dois commencer à partir, ok? S'il te plaît, reste loin des gardes de ce village, hein? Je le ferai. Je t'aime. Moi aussi. Hey, mec! Salut, ma beauté. Comment tu vas? Je vais bien. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis le chief Edozier. C'est populaire dans cette communauté, tout le monde me connaît. Et j'imagine que tu me connais aussi. Ah, oui, monsieur. Je vous connais très bien. Le seul chief Edozier de cette communauté. Qui ne vous connaît pas? C'est bien. En quoi puis-je vous aider, monsieur? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Oma. Oma. Quel joli nom. Où est-ce que tu vas? Mon ami et moi allons quelque part. D'accord. S'il te plaît, peux-tu trouver du temps ce soir pour venir chez moi? Pour quelle raison, monsieur? Il y a quelque chose de très important dont j'aimerais parler avec toi. Désolée, je ne suis pas intéressée. Écoute, tu feras au moins mieux de m'écouter, c'est dans ton intérêt. Désolée, monsieur, je ne suis pas intéressée. Bye. Oma! C'est ainsi qu'elle se comporte ici? Allons-y. Dites-moi, j'espère que vous avez tous reçu un sac de riz chez vous. Oui, monsieur. Oh, très bien. Alors, cette agence est juste pour compléter. Merci, monsieur. Ça vous aidera à acheter quelque chose pour manger avec votre riz. Merci, monsieur. Merci. Oui, merci aussi. Merci, monsieur. Pas de quoi. Merci, monsieur. Ah. Merci, chef. Dossier. Oui. Ah, chef Dossier, merci. Je vous remercie. Chef, merci, monsieur. Merci, monsieur. Dites aux autres de venir, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je vais le dire à tout le monde qui veut l'entendre. Merci beaucoup, chef. Chef. Hey! Es-tu en train de dire que ces choses avec lesquelles tu es entrée nous appartiennent? Oui, maman. Ces choses à l'intérieur nous appartiennent. Et ce sont aussi les mêmes choses qu'il a partagées à tout le village. Maman, cet homme est très riche. Oui, maman. Il est très riche, en fait. Hey. Comment est-ce qu'une personne peut partager ces choses à tout le village? Je suis encore surpris. Chef Edozé. Un homme avec un grand cœur. Un homme très beau. Votre père. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour finir avec lui. Hé, hey, maman, comment peux-tu dire de telles choses? Es-tu folle? Est-ce à toi que je parlais? Tu es stupide? Tu veux que je te donne une bonne gifle? Gifler qui? Hein?
Qui est-ce que tu vas gifler et pourquoi la gifler? Oublie les gifles. Tu n'as pas entendu? Entendu quoi? Ha! Que Chef Edozi est rentré aujourd'hui et il a partagé les provisions. Riz, haricots, igname, huile rouge, citelet. Mon mari, comme nous parlons là, quand tu iras là-dedans, tu verras un sac de riz et l'huile de palme qu'on nous a donné. Ha! Edozi Wankem. Gerak. Un homme de très peu de paroles. Aïe. Ah. D'accord. Puis-je avoir ma nourriture? Apportez-moi ma nourriture. Apporte ma nourriture. Qu'est-ce que tu attends? Va lui servir sa nourriture. D'accord, maman. Okachi, mon ami. Hey, Odozie. Oui, Sol, bienvenue. Merci beaucoup. Tu sais, on dit chez nous que seul un fou ne sait pas que son frère est aussi un étranger. Hey, oh. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Ah, non. Ne t'en fais pas. Tout va bien pour nous. Omar, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Ok, d'accord. Chief. Oui. Elle a répondu qu'elle va bien, mais elle ne va pas bien. Vraiment? C'est la raison pour laquelle nous sommes venus. Sa mère est actuellement à l'hôpital, souffrant d'une maladie du cœur. Le docteur dit qu'il faut qu'elle fasse une opération chirurgicale sur elle avant de soigner sa maladie. Et il a aussi dit que nous devons faire un dépôt de 1 million de naira avant qu'elle ne commence l'opération. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Je vois. Et parce que il fallait qu'on vienne te voir. En tant que philanthrope et l'amour que tu as pour l'humanité, je ne veux pas du tout que la femme de mon frère meure. Tio Kachi. Chef. Je t'ai entendu. Personne n'est content de savoir que son prochain est malade. Merci. À moins que cette personne soit un sorcier ou un sorcier. Prions pour qu'elle guérisse. Amen. Et sans trop vous perdre du temps, oui. Je vous promets de me pencher sur ce problème. En fait, je vais résoudre ce problème. Oh, merci. Mais à une condition. Condition? Oui. D'accord. Monsieur? Oui. Tout ce qui pourrait permettre à ma mère de récupérer, je le ferai. C'est bien. Oma, épouse-moi. Épouse-moi. Et je te promets que tous les problèmes de ta famille ne seront qu'une simple histoire du passé. Je ne sais pas ce qu'il retient. Mais est-ce que cet homme va en convenir? Tiffany Dozier, est-ce qu'il va en convenir pour t'épouser? Non, pas du tout. Est-ce que papa dit qu'il va t'épouser? Papa, bon après-midi. Papa, bonjour. Maman, bon après-midi. Chérie. Omar. Papa. La raison pour laquelle je t'ai appelé, c'est de savoir si tu as décidé d'épouser Chief Edozie. Non, papa. Je ne suis pas prête à... Ma chère, tu vas devoir nous excuser. C'est une réunion de famille. D'accord, maman. Omar, je vais t'attendre. Ok. Papa, maman, je ne suis pas prête à me marier maintenant. Hmm? Oui. Pourquoi devais-tu pas te marier? N'étais-tu pas la même personne qui a dit que... tu étais prête à tout faire pour que ta mère récupère? Non, maman. Ce cas est différent.
Comment est-ce que tu veux que j'épouse un homme qui a l'âge d'être mon père? Non, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Oma, écoute. Laisse le vieil âge. Hein? Le plus important maintenant, c'est que ta mère récupère l'argent qui sera utilisé pour sauver la vie de ta mère. Tu as raison, Obidia. Oma. Chief Edozie est très riche. Si tu l'épouses, il nous donnera de l'argent pour payer les frais d'opération de ta mère. Papa, je ne veux pas me marier parce que nous sommes pauvres. Et Mika est le seul que j'aime. Et il n'y a rien qui puisse changer cela. C'est Mika que tu aimes et rien ne pourra changer cela. Et pourquoi sommes-nous là? Tu as la solution à ton problème. Va prendre l'argent chez Mika. Regarde-toi. Regarde cette chose. On essaie de t'aider et tu racontes n'importe quoi. Ne me touche pas. On essaie de t'aider et tu racontes n'importe quoi. Fous le camp. Ogene. Fous le camp d'ici. Regarde-toi, stupide fille. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu imaginer cela? Ne crois-tu pas que la femme de ton oncle a raison cette fois-ci? Non. Elle ne m'aime pas. Elle ne pourra jamais rien dire qui pourrait m'aider dans la vie. Tu le crois vraiment? Je le sais. Écoute, comment est-ce que je pourrais épouser un homme qui est plus âgé que mon défunt père? Et de plus, c'est Emeka que j'aime. Et rien ne pourra changer cela. L'amoureuse. Ok, pas de problème. Allons-y. Il n'y a pas de mais. Attends. Allons-y. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Le docteur a finalement renvoyé maman à la maison. Parce que nous ne pouvons pas payer les factures d'hôpital. Donc, maman va mourir et me laisser seule dans ce monde méchant. Peut-être que je devrais juste épouser Chief. Et maman va pouvoir vivre. Oui. Oui. Il va falloir que j'aille voir mon oncle. Voilà ce que je vais faire. Ma fille. J'ai déjà assez stressé avec ma maladie. Mais ne t'en fais pas, ok? Ça a déjà pris fin. Je suis fatiguée. Je dois me reposer. Mais maman, je ne me plains pas. C'est juste une maladie. Avec le temps, tu vas aller mieux. D'accord? Ma fille, comme je te le dis toujours, s'il te plaît, sois toujours une bonne fille. Peu importe la situation. Continue d'être gentille. D'accord, maman. Je t'ai entendue. Je te le promets. Je vais te rendre fière. D'accord? Maman, laisse-moi aller t'apporter tes médicaments. Tiens bon, je vais aller les chercher. Maman? Maman, voici tes médicaments. Maman? Maman, s'il te plaît, ne meurs pas. Maman, s'il te plaît, ne meurs pas. S'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Ne me laisse pas. Maman! Tonton! Papa!
Kelvin, dis-moi, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, Kelvin? Ça fait à peine 2 semaines que je suis arrivé ici. Et maintenant, tu veux me chasser hors de ta maison sans me dire ce que j'ai fait de mal, Kelvin? Où veux-tu que j'aille? Ou bien, tu veux que je rentre au village? Kelvin, s'il te plaît. Emeka. Kelvin. Rassemble tes affaires et sors de chez moi. Je ne voudrais pas me répéter. Kelvin. Kelvin. Kelvin, s'il te plaît. Mon Dieu. Mon Dieu. Pas venir. Ta mère est en train de dormir pendant que sa co-épouse vient tout juste de mourir. Maintenant, pense un peu à ça. Est-ce que c'est bien selon ton propre jugement? Je te pose la question. Où est-ce que j'irai d'ici? Qui est-ce que je connais? Retourner dans ce village n'est pas une option. Toutes les promesses que j'ai faites à ma mère. Kai! Maman sera très déçue de moi. Qu'en est-il de moi? Non, je ne peux pas retourner dans ce village. Tout d'abord, je dois trouver un endroit où reposer ma tête, un endroit où dormir. Et là, aller dehors pour me débrouiller. Oui, me débrouiller. Chercher quelque chose à faire. Me battre. Vas-y, pleure. Vas-y, pleure. Tu dois bien pleurer. Comme ça, hein, tu sais.
Les voisins sont censés être ici, mais personne n'est ici. Comme ça, ils entendront ta voix et sauront que quelqu'un est mort. Tu as perdu quelqu'un, oh. Ta chère mère. Hey, la ferme. Regarde-toi. Tu as le courage de pleurer sur la tombe de ta mère. La même femme que tu as tuée. Oui. N'est-ce pas toi qui l'as tuée? Après l'avoir tuée, tu as le courage de t'allonger et de pleurer. Pleurer. Toi, cette fille. Tu es très, très incroyable. N'est-ce pas toi qui l'as tuée? Non, maman. Hein, c'est toi. Je n'ai pas tué ma mère. Tu n'as pas tué ta mère. Comment est-ce que je pourrais tuer ma propre mère? Je l'ai fait. Je l'ai fait. Ferme ta bouche, toi. Ferme cette poubelle que tu appelles bouche. Qu'est-ce que je gagnerais à tuer ma propre mère? Maman, je n'ai pas tué ma mère. Qu'est-ce que je... En fait, qui est ta mère? Tu es très stupide. Qui est ta mère? Ah! Regarde-toi. Tu es une enfant très méchante. Hein? Tu as eu toutes les opportunités dans cette vie pour sauver ta mère innocente. Tu ne l'as pas fait. Et tu es ici à faire semblant comme si tu l'aimais trop. Hein? Oui, maman. Tu as raison. J'ai eu l'opportunité d'aider ma mère. Mais je ne pouvais pas. Maman, je suis désolée. La ferme. La ferme. Désolée, maman. Désolée à qui? Pourquoi est-ce que tu me dis désolée? Je suis ta mère. Tu ne peux pas me tuer. Ferme ta bouche. Regarde-toi. Tu es une enfant très méchante. Tu crois que tu peux me tromper? Moi? Obidia? Tu ne peux pas, avec tes larmes de crocodile. Tu peux aller choisir les gens que tu peux tromper, mais pas moi. Oui, tu ne peux pas me tromper. N'importe quoi. De toute façon, je suis venue ici pour une raison. Et oui, pour une raison. De te faire savoir, Oma, pour te faire savoir qu'une femme n'a pas sa place dans les biens de... Son père. Est-ce que tu m'entends? Oui, tu n'as pas de bien. Tu sais ce que ça veut dire, non? Ce que ça veut dire, c'est que tu vas devoir faire ta valise et partir. Non, maman. Tu sais que je n'ai aucun autre endroit où aller. Ok. Oui. Sur ma tête. Tu n'as pas un autre endroit? Non. Viens monter sur ma tête et rester. Viens vivre ici. Ça va t'héberger. Tu ne viens pas? Idiote. Maintenant, écoute-moi très bien. C'est ce que je suis venue te dire. Commence à faire ta valise avant qu'il ne soit trop tard. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenue. Maman, je suis... Je ne peux pas être la mère d'une sorcière. Es-tu stupide? Tu veux me tuer comme tu as tué ta mère? Ne t'approche pas, sinon tu verras de quoi je suis capable. Maman... Non. Tu es stupide, tu es... Non, ne t'approche pas! Ne viens pas m'infecter avec ta maladie meurtrière. Après avoir tué ta mère, tu veux me tuer? Tu veux me tuer de la même façon que tu as tué ta mère? Non. Alors reste où tu es. Mes enfants ne m'ont pas tué, alors tu ne peux pas me tuer. Méchante fille maléfique. Idiote. Maman, n'ose pas me toucher! Sinon, tu verras de quel bois je m'échauffe. J'ai compris, d'accord? Laisse-moi voir ce que je peux faire. Ouais. Je vais essayer de la joindre. C'est rien. Je vais le faire. Ok, je vais te rappeler, d'accord? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Désolée, j'ai interrompu ton appel. Où est ton ami Emeka? Depuis hier, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas où il est. Ah. Mais où est-ce qu'il peut bien être? Princesse même est en train de le chercher. Je l'ai mis dehors. Tu l'as mis dehors? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu veux qu'on parle de ça? Hein? Je ne veux pas parler de ça. D'accord? Je l'ai mis dehors. Ouais. Ok. Merci. Ah. Il a mis son ami dehors.
Maman, est-ce que tu as eu la nouvelle d'Emeka depuis qu'elle a quitté le village? Non, je n'ai aucune nouvelle de lui. Tu n'as pas son numéro de téléphone ou quoi? Je l'ai, mais ça ne passe pas depuis qu'il a voyagé. Tu es sûre qu'elle ne s'est pas trouvée une copine là-bas en ville? Ha! Jamais de la vie. Pas moi, Emeka. À quel point es-tu sûre? Je n'en suis pas sûre. Mais je suis sûre que tu peux t'occuper de tes affaires. Ah. Maman, ma sœur. Qu'est-ce que vous faites ici, espèce d'homme méchant? Donc, après avoir tué ma mère, vous avez le culot de remettre vos pieds dans cette concession? Quoi? Oma, sais-tu ce que tu racontes? Tu m'accuses d'avoir tué ta mère? Oh. Oma, s'il te plaît, calme-toi. Non, ne me demande pas de me calmer. Cet homme ici présent avait l'opportunité d'aider ma mère. Mais il ne l'a pas fait. À cause de ses désirs égoïstes. Écoute, Oma. Je sais ce que tu ressens, d'accord? Mais je suis venu pour tout arranger. Calme-toi, ok? Non, vous ne savez pas ce que je ressens. Vous ne savez pas ce que ça fait de perdre une mère à mon si jeune âge. S'il vous plaît, monsieur, partez de chez moi. Oh, mais... Partez! Oh, mais s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi et écoutons ce qu'il a à dire. Il n'a rien du tout à dire. Monsieur, partez de chez moi. Écoute, Oma. J'ai quelque chose à dire. S'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît. Je sais que je t'ai offensé. Calme. Je vous ai dit de partir. Laisse-moi. Tu veux aller avec lui? Non. Tu veux aller avec lui? Allez, ferme-la. Partez. Je vais m'en aller. Mais souviens-toi, si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là. S'il te plaît. Partez. Je n'ai pas envie de vous voir. Je n'ai pas envie de vous voir. Partez. Chut. Partez. Sauf on y va. Laisse-moi tranquille. Je sais comment maman et Oma se portent en ce moment. J'espère que maman va guérir de cette maladie. Elle me manque tellement. Mais je ne peux pas encore rentrer à la maison pour le moment. Mais maman et Nonien, elles me manquent aussi beaucoup. Dieu, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi parce que j'ai énormément de responsabilités qui m'attendent. J'ai hâte de faire de moi ma femme. Venez me tromper. Achetez un et recevez deux. Venez me tromper. Venez me tromper. Achetez un et recevez deux. Monsieur, vous voulez acheter? Awaragasi, awagawa. Gatouchant. Vos vêtements originaux. Oui, c'est ça que je vends. Venez me tromper. Venez me tromper. La bonne qualité. Vos vêtements originaux. Vos vêtements originaux. Oui, voici ça. Regardez, oui, oui, regardez. Regardez, regardez. Oui, ça, Gareth Bale l'a porté. Gareth Bale, hein? Oui, la bonne matière. Gareth Bale l'a porté. La pièce, c'est combien? Gareth Bale, oui, tout, de 2000.
Hey. De 2000. Je veux dire 2500. Oui, oui, 2500 comment? Ah, toi. Oui, aussi. Venez me tromper, venez me tromper. C'est la bonne qualité. Donc, vous payez 4, je prends l'argent et je pars. Je prends l'argent et je pars. Voilà ça, encore neuf. La bonne qualité, oui, la bonne qualité. Envoie l'argent. Tu es d'accord, je te les donne. Et je récupère la vie. Non, mon frère, je ne peux pas prendre 500. Mais mon frère, je ne peux pas prendre 500. 500 francs. La bonne qualité de vêtements. Vos vêtements originaux sont là. Monsieur, attendez, non, mais... Attendez. Laissez-moi d'abord passer. Attendez. Vos vêtements originaux... Attendez. Vos vêtements originaux... Vos vêtements originaux sont là. Achetez un et recevez deux. Vos vêtements originaux sont là. Vos vêtements originaux sont là. Vos... Payez un, recevez deux. Ça vient directement de la Belgique. Directement de la Chine. 5 000. Vous le prenez? Ha! 5 000. Oui, c'est la bonne qualité. Mon fils, j'ai 500. Maman, 500 c'est petit. Maman, regardez. Je sais que c'est de la bonne qualité. Maman, donnez 1500. 1500. Hey! Vos vêtements originaux sont là. Madame, c'est votre taille. C'est ta taille, regarde, c'est ta taille. Je sais que c'est ma taille. C'est ta taille, ma mère. Mais je n'ai pas. Vos vêtements originaux sont là. Achetez un et recevez deux.
Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Ma fille, tu es rentrée. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai demandé de rester à l'intérieur. Il faisait chaud à l'intérieur. Alors, j'ai décidé de venir dehors, prendre de l'air frais. Ok, voici tes médicaments. Comment as-tu fait pour avoir ça? Maman, j'ai supplié Onyeka. Et il m'a donné une dose. Merci. Dieu va bénir Onyeka. Amen. Et je te remercie beaucoup. Ma fille, merci beaucoup. Maman, laisse-moi t'apporter de l'eau. Je reviens, ok? Oh, ma fille. Maman? Je suis tellement contente de la façon dont Dieu t'a élevée pour moi. Parce que je... Oui, mes enfants, au revoir. Parce que je ne l'ai pas fait moi-même. Ce n'était pas mes efforts. Que tu sois une très bonne fille. En fait, je ne sais pas comment remercier Dieu. Mais je dois te conseiller. Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, il y a un chemin pour un avenir à Dieu. Ok? Oui, maman. Alors, peu importe ce que tu traverses dans cette vie, peu importe à quel point elle peut être difficile et même très difficile dans l'avenir, peu importe, s'il te plaît, ne vends pas ta conscience pour de l'argent. D'accord, maman. C'est compris? D'accord, maman, j'ai compris. Maman, je suis tellement contente de t'avoir comme mère. Si ce n'était pas le cas, qui serait en train de m'apprendre tout ceci? Moi aussi, ma chérie. J'en suis tellement contente. Je suis tellement fière de toi, ma fille. Ok, tu sais ce qu'on va faire maintenant? Vas-y, tombe. Encore une fois. Encore une fois. Bon, là, ça suffit. Ok, papa. Je le fais aussi? Oui. Tu peux m'arrêter? Oui, bien sûr. Ok. Ta mère est rentrée. Ouais, va embrasser ta mère. Maman! Hey, mon bébé. Ça, la bienvenue, maman. Ça va? Bien. Je vois que tu es occupée avec papa. Ouais. Chérie? Comment tu vas? Je vais bien. Bonjour. Comment tu vas? Avec qui tu es venue? Elle s'appelle Emma. Je l'ai trouvée au marché abandonnée à elle-même. Et donc, j'ai décidé de la ramener. Comme ça, on pourra l'aider. Bonjour, monsieur. Bonjour, tante Noma. Merci. Tu as trouvé quelqu'un perdu? Et tu l'as amené à la maison? Mais tu es sérieuse là? Eh wow! Qui est-ce que je vois? Hey! Et Emma? Hey! Ma très bonne amie! Comment tu vas? Moi? Ta très bonne amie? Comment? Hey! Ah ah, tu as recommencé. Que veux-tu dire par là? Ah ah, n'es-tu plus mon amie? Hein? C'est pour ça que tu ne m'as pas dit que ton fils a voyagé pour la ville? Te le dire en tant que qui? Hey! Où est ma ton amie? Ta très bonne amie dans ce village. Hein? Obidia, tu es méchante. Hein? Tu as finalement réussi. Envoyez Omar.
hors de ce village. Simplement parce que tu voudrais que ton fils unique soit le seul héritier de toute cette propriété, y compris ce qui appartient au défunt père d'Oma. Obi, pourquoi? Hé! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ne me provoque pas. C'est quoi ton problème? Donc, tu es maintenant commère? Mettre ta bouche dans ce qui ne te concerne pas. Hein? Qui t'a appelé? Donc, c'est pour ça que tu fais ça? Hein? Je te demande. Obidia, tu n'as pas de conscience. Qu'est-ce que Oma t'a fait pour la traiter aussi mal? Tu l'as envoyée hors de ce village. Maintenant, écoute-moi très bien. Je ne le regrette pas. Je vais le faire encore et encore. Ça, c'est si elle est encore en vie. Oh. Obidia. Tu es une sorcière. Hein? Tu es maléfique. Moi? Obidia, sorcière? Hey! Moi, Obidia, maléfique. Iroma, je te préviens. Fais attention. Fais attention avec le genre de mots qui sortent de ta stupide bouche. Est-ce à moi que tu t'adresses? C'est à moi. Je te préviens. Éloigne-toi de moi. Tu ne m'aimeras pas. Remercie juste tes dieux qu'aujourd'hui, tu m'as trouvé de bonne humeur. Sinon, je t'aurais montré comment les personnes maléfiques et les sorcières se comportent. Stupide femme. Qu'est-ce que comment tu aurais fait? Comment les gens maléfiques se comportent? Je vais te laisser pour cette fois. Parce que tu gonfles comme le peuple qu'on a trempé dans l'eau. La prochaine fois. Moses? Bonjour, papa. Bonjour, comment tu vas? J'espère que tu as bien dormi, hein? Oui. Princesse. Bonjour, papa. Pourquoi aussitôt? Tu es sortie pour jouer aussitôt? Bien. Hein? Oui. Ok. J'ai faim. Tu as quoi? Oui, j'ai faim. Tu as faim? Oma! Oma! Monsieur? Princesse a dit qu'elle a faim. Pourquoi ne lui as-tu pas donné à manger? Je vais aller lui faire à manger. Il n'y a pas de nourriture dans la maison. Quoi? Rien de disponible chez moi? Tu es folle? Hein? C'est quoi ton travail dans cette maison? Oma! C'est quoi ton travail? Ce n'est pas de s'occuper de cette maison? Et en même temps, lui donner à manger? C'est pas ça ton travail? Je suis désolée, monsieur. Je n'ai pas dormi la nuit dernière. Elle m'a fait chanter pour elle toute la nuit. Tu mens? Non, je ne mens pas. Cette bouche. Tu veux discuter avec elle? Non, monsieur. Avant que je ne compte jusqu'à 3. Disparais d'ici, va lui chercher de quoi manger. D'accord, monsieur. Princesse, tu dois te préparer. Tes cours vont reprendre bientôt. Quand? Tu me demandes? Tu devrais demander à ta maîtresse et pas à moi. Papa? Où est maman? J'imagine qu'elle est dans la chambre. Ou autre part, je ne sais pas. Non! Papa, arrête! Maman. Où sont les choses que tu allais acheter au marché? Ton sac et... Les autres choses sont où? Et pourquoi est-ce que ton visage est comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille. N'est-ce pas cette femme diabolique? Qui? Obidia. Hein? J'étais en train de partir ma chose au marché. Et elle a commencé à m'insulter. Elle m'a insultée. Elle m'a dit que mon fils, Emeka, est un pauvre garçon. Elle m'a même dit avec fierté
que c'est elle qui a chassé Oma de ce village. Elle a dit ça? Elle a même ajouté en disant qu'elle la chasserait encore, encore et encore et encore. Non, maman. Je vais aller montrer à cette femme qu'elle n'a aucun pouvoir dans ce village. Non, ma fille, ne le fais pas. Cette femme est envahie par le mal. Je ne peux pas attendre. Si je laisse cette femme, elle va m'échapper. Mon amour, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que ton visage est comme ça? Tu connais le problème, tu connais le problème. Ta coiffure? Oui. Calme-toi. Je veux me coiffer. Je t'ai dit que j'allais te donner de l'argent pour ta coiffure. Quand j'aurai de l'argent? Quand? Allez, arrête. Je vais te donner de l'argent pour ta coiffure. Ekene, où est ta mère? Et pourquoi tu cherches ma mère? Je suis venue l'avertir de rester loin de ma mère. Hein? Parce que si quelque chose arrive à ma mère, elle l'aura de mes nouvelles. Nonye, tu es venue directement de ta maison pour me dire que tu veux avertir ma mère de rester? Tu es très stupide. Tu es folle. Ekene, c'est toi qui es stupide. Et si tu rajoutes encore moi, je vais te gifler. Moi, stupide? Hey. Et tu vas me gifler? Oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu sais quoi? Je ne vais pas te toucher, parce que je ne veux pas avoir des ennuis avec la police. Mais quelqu'un va le faire. Nasa, je veux que tu donnes à cette fille une très bonne gifle. Si tu ne le fais pas bien, Nasa, tu vas me détester. Ekene? Papa. Pourquoi est-ce que tu as envoyé Chinaza à se battre avec la fille de Roma? Papa, ce que cette fille a fait était très mal. Oui, tu t'imagines que cette fille m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit qu'elle venait pour avertir maman. Elle venait avertir ma mère de rester loin de sa mère et leur famille. Hein? Est-ce que tu t'es entendu? Était-ce suffisant pour aller avec Chinaza, tous les deux réunis, pour tabasser cette petite fille? Était-ce assez? Naï, s'il te plaît, qu'est-ce que tu dis au juste? Hey! Naï, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu essaies de dire qu'une idiote, un cafard, une souris, viendra de nulle part m'insulter sans sortir librement dans ce village? C'est ce que tu dis? Hein? Toute personne qui a besoin d'un respect devrait tout d'abord se respecter lui-même ou elle-même. Est-ce que tu te respectes? Tu passes ton temps à causer des problèmes, ici et dans tout le village. Les gens te connaissent comme une fauteuse de troubles. Et maintenant, tu voudrais que ton fils aille se battre pour toi? Va te battre toi-même. Tu cherches des embrouilles et tu voudrais qu'il aille se battre. Écoute, papa, tant que je serai dans ce village, je ne vais jamais laisser personne insulter ma mère. Personne ne va essayer. Quiconque essayera d'insulter ma mère dans ce village, je vais m'occuper de cette personne. Ce que je vais faire à cette personne, ça sera terrible. D'accord. Il n'y a pas de problème. Continue à te battre pour elle. Mais sois-en sûr, tu finiras au poste de police. Et passer un peu de temps là-bas lorsque la police t'aura appréhendé. La Ils police viendront. Maman, il a dit la pas police. Pas de police. Naï, la police ne viendra pas. Ne t'en Aucune pas. Police. Aucune police ne viendra faire quoi que ce soit, mon fils. Mais maman... Assieds-toi. Maman. Quelle police? Par où est-ce que la police passera quand je suis là? Calme-toi, ferme-la. Comment ça s'est passé? Hey, maman, tu dois me faire confiance. Je lui ai donné une leçon. J'espère que tu as retiré. Bien que sûr, maman. Que tu as changé sa tendance. On dirait que tu ne me fais pas confiance. Ses dents étaient par terre. Je t'ai dit que je me suis occupé d'elle. Elle a des cicatrices sur son visage. Elle est blessée. Je me suis bien occupé d'elle. Tape-la. Vos vêtements originaux sont là. Direct de Dubaï, oui. Directement de la Turquie. Venez, achetez vos vêtements chez moi. Achetez vos vêtements de bonne qualité chez moi. Directement venu de Dubaï. Directement venu de la Turquie. Et encore avec des étiquettes. Voilà les étiquettes. Achetez vos vêtements ici. Achetez un, recevez deux. Achetez vos vêtements de marque chez moi. Achetez. Combien coûtent ces vêtements? Madame, c'est 500. 500 seulement. Mais ce n'est pas ma taille, ça. Madame, c'est votre taille. Hein? Mais cet habit est sale. Ah, ah. Ma
Madame, ne dites pas ça. Hein. C'est un motif. Madame, c'est un regard. Motif. Quel genre de motif? C'est un design. Laisse-moi voir cette jupe. Combien pour la jupe? 500. C'est le dernier prix, madame. Ce n'est pas 400. Madame, remettez-moi. Tu peux aller payer de l'eau avec. Achetez vos vêtements ici! Tu te disputes. Moi, je ne me dispute pas. Tu es en train de vendre ou bien tu te disputes? Madame, je ne me dispute pas. Je suis en train de vendre. Je suis désolée. Tu es stupide! Qu'est-ce qui va pas chez toi? Tu voulais me verser de l'eau? Je suis... T'es désolée, pourquoi? Tu voulais me verser de l'eau? Animal! Hey. N'importe quoi. Tu as blessé? Est-ce que tu as été blessé? J'espère que tu n'as pas été blessé. Ça n'a pas... Ça n'a pas... Vraiment, c'est plageuse. Regardez-moi quelqu'un que je vais aider. Tu me fais la caprice. Mais écoute-moi! Tu sais pas qui est le patron? Monsieur! Seul Dieu sait comment maman et Oma vont en ce moment. J'espère que maman va s'en sortir avec cette maladie. Elle me manque tellement. Mais je ne peux pas encore rentrer maintenant chez moi. Même maman et Nonie me manquent aussi. Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi parce que j'ai énormément de responsabilités. Qui m'attendent. J'ai hâte de faire Thomas mon épouse. Stop! Va t'asseoir. Hein? Je vais le conduire moi-même. Va t'asseoir. J'ai dit, va t'asseoir. Ne t'enfuis pas, ma fille. Ce n'est pas encore le moment. Mais maman, je souffre ici. Je sais. Mais c'est ce que le destin réserve pour toi. Maman, es-tu en train de dire que je vais souffrir toute ma vie? Non, ma fille. Ce sera bientôt fini.
Tes larmes vont sécher. Maman, es-tu en train de dire que je vais souffrir toute ma vie? Maman, tu me manques tellement. Tu me manques encore plus, ma fille. Maman, es-tu en train de dire que je vais souffrir toute ma vie? Maman! Qu'est-ce qu'il y a? À qui parles-tu? Mais tu vas... Regarde celle-là. Je l'ai bien dit, que tu étais une sorcière. On dirait que t'es possédée. Tu dis tu me manques à qui? Princesse, allons-y. Allons-y. Non, laisse-moi tranquille. Allons-y. Non. Parti où? Elle n'ira nulle part avec toi. Ok, tu veux l'emmener pour c'est son sang? Hé! T'en sais plus au nom de Dieu. Reste ici. Et jusqu'à ce que ta mère rentre. Si tu suis cette fille là-bas dedans, tu vas complètement sécher. Elle pourra même te tuer. Hey! C'est Dieu qui t'a sauvé, hein. Oui, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que j'ai vu Oma qui parlait quand elle dormait. Elle est peut-être stressée, ok? Que cela ne t'affecte pas, mon amour. Tantine Oma est fatiguée, c'est pour ça. Tu sais quoi? Retourne là-bas et continue à jouer. Maman a besoin de se reposer un tout petit peu, ok? Vu que je n'ai pas pu joindre Oma au téléphone, j'espère que tout va bien avec elle. Mais je dois aller au village pour voir Oma. Comment est-ce que je peux y aller au village comme ça? De toutes les façons, je vais y aller voir les choses par moi-même. Oh mon Dieu. De retour. Bonjour, maman. Hey! Bon quoi? Garde ton bonjour pour toi-même. Ai-je l'air d'avoir besoin de ça? Regarde-toi. Hey, tu penses que c'est aussi facile d'aller en ville, hein? Pour aller cueillir l'argent des arbres? Est-ce que tu as gardé des arbres en ville ou tu partais là-bas cueillir de l'argent? Tu crois que c'est aussi facile que ça? Hein? Regarde-toi.
Eh bien, maman, comme tu peux le voir, je viens tout juste de rentrer de la ville. S'il te plaît, je n'ai pas la force cet après-midi. S'il te plaît, laisse-moi me dépêcher pour aller voir ma famille. Hé hey! Bien sûr, je peux le voir. J'ai des yeux. Je ne suis pas aveugle. Je peux le voir que tu viens de rentrer. Mais tu rentres les mains vides. Hé hey! Quelle honte! Jay! Les autres partent en ville. Ils partent là-bas se débrouiller, matin et soir. Tu es allé là-bas, mais je ne sais pas si tu es allé dormir. Le même sac avec lequel tu es parti. Hein? Le même sac avec lequel tu es parti. C'est avec ça que tu rentres. Rien à l'intérieur. Rien n'a changé. Les mêmes babouches. Oui, celles que tu utilises pour te laver. Tu es aussi sorti avec et tu es rentré avec les mêmes. N'as-tu pas honte de toi-même? Emeka, tu es une honte. Une grosse honte à toi-même. À toi-même, oui. Aux hommes, à ta famille, à toute une génération. Oui, garçon sans honte, bien sûr tu vas me remercier. Remercie-moi très bien, parce que je te dis la vérité. Ah, oui. Remercie-moi, regarde-toi. Oh, va leur dire comment tu es parti. Va leur dire l'histoire de ta vie. Espèce de vaurien. Maman? Oui, ma fille. Ta coiffure est déjà vieille. Il faut que tu la changes. C'est pour ça que je prie que l'Éternel donne de l'argent à ton frère. Comme ça, je pourrai renouveler ta coiffure. Hé, hey, maman. Tu ne sais maman. Pas comment il va là-bas. Hein? Maman! Hé, hey, c'est comme si c'est lui. N'est-ce pas la voix de mon... Non, nié! Hé! Hé, grand frère! Oh, mon fils est de retour. Regarde-toi. Merci, Seigneur. Ah! Maman. Je le savais, merci Seigneur, tu es merveilleux. Maman. Merci. Maman. Mon fils, sois le bienvenu. Merci beaucoup. Oh. Merci, maman. Mon cœur. Merci, maman. Comment tu vas? Maman, attends, Nonia? Maman, est-ce que Nonia va bien? Nonia a l'air malade, maman. Est-ce qu'elle mangeait? Mon frère, tout ça, c'est la faute de maman. Elle ne me laisse pas manger comme je veux. Ferme quand ta bouche. Quand je me serre et bavarde, elle me demande de réduire. Il faut d'abord qu'on te donne toute la nourriture de ce village pour que tu saches que tu manges dans cette maison. Mais mon fils, c'est plus toi qui as mauvaise mine. Qu'est-ce qui ne va pas? Viens, viens, viens d'abord t'asseoir. Merci, maman. Merci. Nonia a fini toute la nourriture dans la maison. Vas-y, dis-moi. J'espère que ton ami te traite bien. Maman, Kelvin m'a mis hors de sa maison 2 semaines après qu'on soit arrivé en ville. Quoi? Oui, maman. Pourquoi? Jusqu'à présent, moi-même, je ne sais pas pourquoi il a fait, maman. Je suis tellement confus. Hey! Chine bueno! Hey, mon frère jeté dans la rue. Les gens sont méchants, oh. Mais, grand frère, ce gars nommé Kelvin a l'air d'être une bonne personne. Ainsi dit la Bible. Le cœur de l'homme est désespérément méchant. S'il te plaît, maman, hein, assez parlé de moi, de Kelvin. Parlons plutôt de moi, maman, s'il te plaît. Hein. Je suis passé chez elle et l'endroit m'a plutôt l'air désert. Je n'ai pas vu sa mère, je n'ai pas vu Oma. Est-ce que tout va bien? Grand frère, la mère d'Oma est morte. Et Oma a quitté le village. Mais maman et moi, nous pensons que c'est Obidia qui est derrière tout ça. Et depuis, nous n'avons eu aucune de ces nouvelles. Nous n'avons eu aucune nouvelle d'Oma. Est-ce que c'est la raison pour laquelle je faisais des rêves bizarres? Non, mon fils. Maman. Maman, je dois aller découvrir où cette méchante femme a envoyé Oma. Non, mon fils, tu ne dois pas, tu ne peux pas faire ça. Maman, le bien-être d'Oma compte beaucoup pour moi. Alors, allons ensemble. Grand frère. Grand frère.
Qu'est-ce qu'il y a? Non. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Comment ça, rien? Je t'ai entendu crier. C'est quoi le problème? J'ai dit pars. Pars. Bah. Hey, c'était juste un rêve. C'était juste un rêve. Tes moments tristes sont terminés. Il est temps pour la vérité d'être révélée. C'est l'heure d'être libérée. Réveille-toi et va au village. Ils t'attendent. Oma! Oma! Maman! Pourquoi tu dors là? Maman était ici. Le village. Je dois aller dans mon village. Je dois voyager. Regardez cette idiote. Elle a appelé maman. Je ressemble à ta mère. Tu es de fou. À ce mari, tu passes ton temps à dormir. Je me demande bien où madame est allée chercher cette idiote. Vous venez travailler ici. Qu'est-ce qu'elle faisait? Manger et dormir. Idiote. Tout ce que je peux te dire, c'est que le tonnerre te frappe. Je veux m'appeler maman. Je ressemble à ta mère. N'importe quoi. Espèce d'animal. Chérie, t'es là. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes? Rien de sérieux. Bon après-midi, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, j'aimerais voyager pour mon village. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Non, monsieur, c'est urgent. Oma, c'est à cause du salaire. Je vais te non, payer. Non, madame, s'il te plaît. Il ne s'agit pas d'argent. Je dois partir. S'il te plaît, Oma, Laisse-la partir. Je ne suis pas allé prendre tes affaires et partir. Ok, merci, monsieur. Okay. Merci, madame. C'est mieux qu'elle voyage parce que je ne comprends même pas le genre de rêve que j'ai fait récemment. Un rêve? Ouais, à propos d'une vieille femme. Je ne sais pas de quoi elle parle dans mes rêves, mais je ne les trouve pas drôles. Alors c'est mieux qu'elle parte. Dans ce cas, je vais aller lui donner de l'argent pour qu'elle puisse payer son transport. Pourquoi tu laisses ta mère balayer le sol pourtant tu es là à manipuler le téléphone? C'est quoi ton problème? Elle veut balayer la cour. Laisse-la balayer. C'est pas bien, ça ne se fait pas. Va l'aider, hein? Va l'aider. Papa, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Rien. Je vais bien. C'est comme ça qu'il fait. Après, il dit qu'il n'y a rien. Hey! Na. Hey! Cet homme, il aime faire des scènes tout le temps. C'est comme ça qu'il fait. Hey! 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 Hey!
courant. Le feu. Le feu. Le feu. Non, hey, qu'est-ce qu'il... Hey. Le feu brûle mon corps. Comment? Le feu me brûle. Tout. Partout. Hey. 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 Mais papa. Hey. Le feu. Le feu. Le feu, hey. Papa. Hey. 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 Mais papa. Hey. 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 Le feu. Le feu. Où est-ce qu'elle est? Où est-elle? Où est cette stupide femme? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Hey! Le feu, le mais feu. Mais où est le feu, maman? Partout. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Où est le feu sur ton corps? Où est le feu sur ton corps? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Cette stupide femme! Où es-tu? Où est-ce que tu as envoyé Omar? Hey! Hey! Le feu! Le feu, le feu, le feu. Hey! Qu'est-ce qu'il y a, non? Hey! Le feu! Que signifie il y a le feu sur ton corps? C'est quoi ça, Naïs? Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Le feu! Je veux voir Omar. Où est Omar? Hey! Qu'est-ce que tu dis? Naïs, tu veux voir Omar? Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire avec Omar? Dis-moi, pourquoi est-ce que je veux confesser. Tu veux voir Omar? Pourquoi? Qu'est-ce non, 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 ne le touche pas! Ne le touche pas! Ne le touche pas! Omar, ma fille. Je suis désolé. J'ai tué ton père, mon frère, Udoka. Toi? J'aimais Ojumwa, ta mère. Je l'aimais tellement, mais elle a choisi Udoka plutôt que moi. Et j'étais en colère. Je l'ai tué. Quand ton père est mort, je voulais acquérir Ojumwa comme ma femme secrète. Mais lorsqu'elle m'a rejeté, elle m'a rejeté et je me suis mis en colère. Et je l'ai infligé cette maladie. Hey! Papa, qu'est-ce que j'ai bien pu te faire? Et je t'appelais même papa. Alors que toi, tu me faisais tout ça. Donc c'était toi. Pendant tout ce temps. Un loup. Habillé en vêtements d'agneau. Et tu croyais en fait que c'était ta femme? Hey! J'ai empoisonné l'esprit de Calvin. Quand j'ai découvert que Calvin voulait t'aider, j'ai empoisonné son esprit. Et Calvin t'a jeté dehors, hors de sa maison. Ceci sans aucune raison. Hey! Donc tu veux dire... Que c'était toi qui étais derrière tout ça pendant tout ce temps et tout le monde pensait que c'était moi, la méchante, ici. Tu aimais tellement les problèmes. Au point où je t'ai utilisé pour accomplir tous mes desseins. Oui, j'ai fait que tu détestes, ou du moins, ta meilleure amie. Yay! Oui, Omar, quand j'ai appris que Chief et Dozy voulaient te donner de l'argent pour l'opération de ta mère, j'ai empoisonné son esprit. Hey. Et il a refusé de t'aider. Oui. Oui. Ce n'est pas tout, Omar. Je n'ai pas vendu le terrain. Je voulais ce terrain. Alors, j'ai sorti 300 000 naira de ma poche et je te les ai donnés. J'ai aussi monté les gens qui ont volé cet argent. Je les ai même envoyés pour te tuer. Mais ça n'a pas du tout marché comme ça. Tu es invincible. Je n'arrive toujours pas à croire que mon oncle soit aussi méchant. Il était tellement gentil envers ma mère et moi. Eh bien, c'est comme ça qu'ils sont. Oui, m'en bavère dans l'herbe verte. Oui. Hein? Tu sais, ce qui fait ma joie dans tout ça, c'est qu'il a été exposé.
Au moins maintenant, tu sais qui est ton véritable ennemi. Oui. Et c'est comme ça que tu vas continuer d'exposer tous les gens maléfiques de ce village. Amen. Ça va aller, hein? Ça va aller, ma chérie, t'inquiète, tu iras bien, hein? Emeka, mon fils. Bonsoir, maman. Maman, bonsoir. Il y a une confession que je vais te faire. Une confession? Mais de quoi est-ce que tu parles, maman? S'il te plaît, pardonne-moi. Maman, qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas arrêté de me demander qui est ton véritable père. Oui. Il est venu le temps pour moi de te dire la vérité. Ton véritable père est... Chief Edozi. Quoi? Je t'en prie, pardonne-moi. Maman! Je suis vraiment désolée. Pourquoi nous as-tu caché ça pendant aussi longtemps? À cause de la peur. Hey. J'avais peur que tu me laisses poiler chez ton père. Mon fils, s'il te plaît, pardonne-moi. Ma fille, demande à ton frère de me pardonner. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je te supplie au nom de l'Éternel. Je suis tellement désolée. Mon fils, ma fille, s'il te plaît. Mes enfants. Il n'y a pas de souci, peu importe ce que c'est. Je suis content de t'avoir revu. Ok? Hiroma, je suis tellement content pour ce que tu as fait pour moi. Le fait d'avoir dit à mes enfants que je suis le vrai père est une vraie joie pour moi. Ça, je peux te le dire. Je profite de cette opportunité pour te dire encore merci. Je te l'ai déjà dit à l'intérieur. Mais je tiens à te le redire. Que je suis vraiment très content. Tu comprends? S'il te plaît, je te supplie une fois de plus, je t'en prie. Peu importe ce que j'ai bien pu te faire, consciemment ou inconsciemment, pardonne-moi. S'il te plaît, mettons tout ce qui a bien pu se passer entre nous dans le camp du passé. Écoute, laissons tout ce qui s'est passé en arrière. Je t'en supplie. Ichie Edozi, c'est tellement difficile. Parce que tu m'as vraiment blessée. Je sais, et je suis vraiment désolée. Je n'ai pas d'autre choix que de dire à tes enfants tout ce que tu as dit. S'il te plaît, pour réaffirmer toutes mes promesses que je t'ai faites, tu vois tous mes biens, que ce soit ici ou à l'étranger. Écoute, je te fais la promesse que je vais tous vous les léguer à toi et à nos enfants. Et à personne d'autre. Oui, c'est pour montrer ma bonne foi. Pour prouver que je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. S'il te plaît, dis-le leur. Je t'en supplie. Je vais le dire à tes enfants. Ton fils, Emeka. Et Nonye trouveront ça très difficile à comprendre. Mais je leur dirai tout ce que tu as dit. Tu vois, ils ont refusé de me suivre. Oui. Je sais, je sais. Mais avec le temps, tout finira par s'arranger, ok? Je donnerai du temps, de mon propre temps, pour les voir. Je leur parlerai. Et par la grâce de Dieu, tout finira par s'arranger. Amy. Oui? Je suis tellement contente pour toi et ta famille. Peux-tu le redire une fois de Personne plus? Personne n'aurait pu imaginer que Chief Edozi soit ton père. Tu peux le redire. Sincèrement, je suis encore surpris. Je te comprends. Devine quoi? Quoi? Dis-moi. Mon père m'a clairement dit qu'il va me léguer ses entreprises. Oh! Waouh! Ça, c'est une bonne Mais nouvelle. Bien sûr. Je suis tellement contente pour toi. Je suis contente pour toi. Oh oui. Ma sexy Oma. Oma, mon bébé. Amy. Et par la suite, je vais venir payer ta dot. Tu es sérieux? Oui. Amy. Hein? J'ai hâte de dire oui. Hey, mon bébé Oma. Arrête. Je t'aime beaucoup, tu sais. Je t'aime également.
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo_dobbing, sur notre site web www.aforevo_dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.